1, 5, 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et maintenant, dans la première lettre de Pierre. La première lettre de Pierre. Le troisième chapitre. Première lettre de Pierre, chapitre 3. Premier verset. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Nous avons commencé une série de messages sur la famille, selon la Bible, pas selon la psychologie moderne. Et dans un premier temps, nous avons considéré le mariage, ce qu'en dit Dieu. Nous avons constaté 5 choses. Le mariage est une institution divine. Le mariage est l'union d'un seul homme et d'une seule femme jusqu'à ce que la mort les sépare. Dieu nous l'a donné pour des raisons bien claires. Dieu apporte au mariage certaines restrictions. Le mariage est géré par certaines règles. Et si vous avez manqué ce premier message, tous les messages sont enregistrés et la cassette, bien sûr, est disponible. C'est un spot de publicité, mais quand même, il est nécessaire d'avoir tous les messages. Dans un deuxième temps, nous avons considéré le couple. Nous avons constaté que le mariage est une relation à 3 participants, et à la plupart des mariages, il y a un participant qui manque. Le mari et l'épouse partagent également certains privilèges. Ils sont tous les deux créatures de Dieu, créatures déchues maintenant, mais de nouvelles créatures dans le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de mariage chrétien. Et le mari et l'épouse partagent également certaines responsabilités.
Ils doivent se compléter. Ils doivent s'attacher l'un à l'autre, devenant une seule chair. Et ils doivent remplir la terre et la soumettre. Et je répète, si vous avez manqué le deuxième message, deuxième spot, la cassette est disponible. Aujourd'hui, et dans le prochain message, nous allons voir quel est le rôle particulier de chacun des conjoints. Nous allons voir quelles sont les responsabilités propres au mari et quelles sont les responsabilités propres à la femme. Et nous commencerons ce matin par la femme, place aux dames, car c'est ainsi qu'agissent toujours les Saintes Écritures. Éphésiens 5, 22. J'espère que vous avez la Bible avec vous ce matin. Nous venons de lire ce passage, Éphésiens 5, 22, passage qui parle de la famille chrétienne. Mais Paul commence, femme, et il commence par les femmes. Colossiens 3, 18, c'est exactement le même phénomène. Alors la parole de Dieu commence par la femme, c'est ça que nous allons faire nous-mêmes. Alors le troisième message, c'est sur la femme, c'est sur l'épouse. Nous allons constater dans cette série que chaque membre de la famille a un mot d'ordre, un mot-clé. Dieu vous donne, qui que vous soyez, homme, dame, enfant, parent, Dieu vous donne un mot-clé, un mot d'ordre. Alors, notre première question ce matin, c'est quel mot d'ordre est donné à la femme? Quel est le mot-clé donné par Dieu à l'épouse? Éphésiens 5, 22. Femme, soyez soumise. Ce matin, je vais parler surtout de la soumission. Mais pas la soumission selon le dictionnaire, mais la soumission selon la parole de Dieu. Et voici une définition de la soumission biblique. La soumission est le fait de se rendre à une autorité divinement établie, et cela avec humilité et intelligence. Donc, je répète, changeons le verbe. La soumission est le fait de se rendre ou de capituler devant une autorité divinement établie, et cela avec humilité et intelligence. Voilà ce que Dieu l'Éternel exige de toute femme mariée. Alors, si vous êtes mariée, mesdames, voilà ce que Dieu exige de vous, la soumission. Et refuser d'accepter ce que demande Dieu, c'est se montrer anarchique. Refuser d'accepter ce que dit Dieu, c'est vous montrer rebelle, en fait, c'est vous montrer irréligieuse. Un grand nombre de passages de la parole de Dieu parlent des relations entre la femme et son mari. Et ils soulignent tous l'importance de la soumission de celle-là. Par exemple, si vous avez la Bible, 1 Corinthiens 11. On va simplement survoler quelques passages maintenant pour souligner ce point. 1 Corinthiens 11. 3 à 16 traite des relations entre l'homme et la dame, le mari et l'épouse. Et nous lisons tout de suite au verset 3. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Et tout de suite, il aborde le sujet de la soumission. Même phénomène dans Éphésiens 5, 22, comme nous avons déjà remarqué. Même phénomène dans Colossiens 3, 18, comme nous avons déjà remarqué. Même phénomène dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. De même aussi que les femmes... Et il parle un peu des femmes. Et il dit au verset 11 que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Et il utilise sans honte le mot soumission.
Et même phénomène se trouve, le même phénomène, dans la première lettre de Pierre, 1 à 7, passage que nous avons déjà lu ce matin. Alors, un grand nombre de passages parlent des relations entre la femme et son mari, et ils soulignent tous, et autant que je sache, sans aucune exception, ils soulignent l'importance de la soumission de l'épouse. Voilà le mot clé qui est donné à l'épouse, voilà le mot d'ordre qui est donné à la femme. C'est lors de la création que Dieu a établi quel genre de rapport devrait exister au sein du couple. Et cela n'a pas été changé par la rédemption. Il y a des gens qui disent, bon, ça va, ça marche pour le monde inconverti, mais nous sommes chrétiens et nous n'avons pas besoin de ce mot d'ordre. Mais il est très frappant de constater que quand Paul et Pierre écrivent aux églises du Nouveau Testament, ils soulignent tous les deux l'importance de la soumission. Ils insistent là-dessus. Nous avons alors répondu à notre première question. Quel mot d'ordre est donné à la femme? Quel est son mot-clé? C'est la soumission. Deuxième question. Quel genre de soumission Dieu exige-t-il? Parce que la soumission de nos jours veut dire beaucoup de choses. Quel genre de soumission Dieu exige-t-il? Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Quel genre de soumission Dieu exige-t-il? Comme au Seigneur. Colossiens 3, 18. Colossiens 3, 18. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Messieurs, dames, Dieu veut que le mari soit à la tête. Dieu veut que le mari dirige le couple et que l'épouse le suive. Voilà le modèle divin. Et la femme qui craint Dieu le reconnaît. Et l'importance de cela est soulignée par ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pourquoi la chute a-t-elle eu lieu? 1 Timothée 2, 14. C'est parce qu'Ève a fait entorse au modèle divin. C'est elle, en fait, qui était à la tête. C'est elle qui a pris une certaine initiative. Et c'était Adam qui la suivait. Et le Nouveau Testament attribue la chute, en fait, à ce fait. Ève, et bien sûr Adam, les deux ont fait entorse au modèle divin. Et tout de suite après la chute, Dieu a souligné, il a rétabli son modèle. Genèse 3, 16, il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Oui, quel genre de soumission Dieu exige-t-il? Comme au Seigneur. Autant le Christ est le chef de l'homme, autant l'homme est le chef de la femme, comme nous avons déjà lu, 1 Corinthiens 11, 3. Alors, mesdames, si vous dites qu'il est absolument essentiel que mon mari se soumette au Christ, vous devez reconnaître aussi qu'il est absolument nécessaire que vous vous soumettiez à votre mari. Parce que Paul dit carrément, autant le Christ est le chef de l'homme, autant l'homme est le chef de la femme. Ce qui reste vrai, même pour un couple où le mari n'est pas converti. Parce que nous avons lu dans notre deuxième lecture ce matin, dans la première lettre de Pierre, 3:1, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole
par la conduite de la femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Alors, on ne peut pas dire, j'ai un mari qui n'est pas encore chrétien, je ne suis pas obligé de respecter le modèle divin. La Bible vous contredit tout de suite, la parole de Dieu dit, vous êtes obligé de respecter le modèle divin, même si vous avez un mari inconverti. Quel genre de soumission Dieu exige-t-il? Comme au Seigneur. Et, Éphésiens 5, 24, en tout, comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune, à son mari. La parole de Dieu exige que la femme soit soumise dans tous les domaines. Autant l'Église doit se soumettre au Christ dans tous les domaines, autant l'épouse doit se soumettre à son mari dans tous les domaines. Refuser d'accepter cela, c'est pour ainsi dire à Dieu que la sagesse lui manque. Voilà les renseignements, les instructions, les directions divines. Et dire, je refuse d'accepter ce modèle, c'est pour ainsi dire à Dieu, la sagesse te manque. Et refuser d'accepter ce modèle, c'est pour ainsi dire à l'Église, il n'est pas vraiment important que l'Église se soumette au Christ. Mais nous sommes tous d'accord, j'espère, qu'il est absolument nécessaire que le peuple de Dieu se soumette à le Seigneur. Alors, autant l'Église doit se soumettre au Christ, autant l'épouse doit se soumettre à son mari. Mais, quand même, il y a certaines nuances à faire. C'est toujours la deuxième question, quel genre de soumission Dieu exige-t-il? Rappelez-vous que cette soumission n'implique nullement que la femme soit inférieure. Comme nous avons vu il y a deux semaines, cette soumission n'implique aucunement que la femme soit inférieure. Quand même, le modèle établi par Dieu exige la soumission de la femme. Rappelez-vous aussi qu'il ne faut jamais confondre la soumission avec la servilité. Mesdames, vous soumettre à votre mari, c'est vous mettre à sa disposition, tout ce que vous êtes, vos sentiments, votre intuition, quelque chose de très féminin que nous n'avons pas en tant qu'homme, votre vision des choses, votre avis, vos conseils. Mais quand vous et votre mari n'êtes pas d'accord, c'est lui qui est responsable devant Dieu pour la décision prise. C'est le mari qui devra se rendre compte à Dieu pour toute décision prise par le couple. Et vous verrez tout de suite, alors, mesdames, que la soumission est un soulagement. Lors du jugement final, messieurs, c'est vous qui vous rendrez compte à Dieu pour toute décision prise dans votre mariage et chez vous, en tant que famille. C'est l'homme qui est responsable devant Dieu. Rappelez-vous également, on parle du genre de soumission mentionné par la parole de Dieu. Rappelez-vous que si le mari exige que son épouse viole un commandement divin, elle n'est pas obligée sur ce point précis, de faire ce qu'il lui dit. Ce sont les apôtres, n'est-ce pas, qui ont dit aux autorités établies par Dieu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce que l'autorité de l'État est une autorité déléguée, et s'il faut choisir entre l'État et celui qui a donné à l'État son autorité, bien sûr, il faut choisir Dieu. L'autorité du mari est une autorité déléguée. Alors, s'il y a un conflit entre ce que dit le mari ce que dit Dieu sur le même point, bien sûr, à ce point-là, l'épouse n'est pas obligée de faire ce que son mari lui dit. C'est pour cela que Paul dit, en parlant aux femmes,
Soyez soumises comme il convient dans le Seigneur. Et c'est pour cela que Pierre parle de la conduite pure. Il met quelques phrases en apposition, parlant de la soumission, et il appelle la soumission une conduite pure et respectueuse. Rappelez-vous aussi que le seul homme auquel vous êtes obligé de vous soumettre est celui qui a reçu l'ordre formel de la part de Dieu de vous aimer comme le Christ aime son peuple. Éphésiens 5, 25. Alors vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à n'importe qui, mais à un homme qui a reçu un ordre formel de vous aimer comme le Christ aime son Église. Alors, combien est heureux le couple où chacun des deux conjoints met en pratique ce que dit la parole de Dieu. Nous avons alors répondu à deux questions. Quel mot d'ordre est donné à la femme? Quel genre de soumission Dieu exige-t-il? Maintenant, la troisième question. Il y en a trois ce matin. Quels sont les bienfaits qui découlent de la soumission dont nous parlons? Parce qu'il ne s'agit pas d'un esclavage, mais d'une bénédiction. Quels sont les bienfaits qui découlent de la soumission? Il y en a quatre. Tout d'abord, la manifestation du Christ au sein du foyer. Jean 14, 21, si vous voulez bien suivre. Jean 14, 21. Quels sont les bienfaits qui découlent de la soumission? En premier lieu, la manifestation du Christ. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Là où l'on obéit à ses commandements, il se manifeste. C'est le principe. Là où on obéit à ses commandements, lui se manifeste. Et lui et son Père font leur demeure chez cette personne et dans son foyer. Alors vous savez fort bien que vous entrez dans certains foyers et ce foyer se dit chrétien, mais en fait ce foyer est comme n'importe quel foyer. C'est-à-dire, lui est chrétien, elle est chrétienne, mais les relations entre les deux ne sont pas chrétiennes. C'est un couple comme n'importe quel couple. Mais vous entrez dans d'autres foyers et vous avez tout de suite la conviction que ce foyer est différent. Et vous avez en fait le sentiment qu'il y a un autre esprit qui anime ce foyer. Et vous prenez le temps de réfléchir et vous vous rendez compte de ce que le Christ est là. Le Christ est là. Il se manifeste. Sa présence est là. C'est l'Esprit Saint qui anime la vie du couple et la vie du foyer. Ce qui est impossible où le mari ne prend pas son rôle au sérieux, c'est qu'il est impossible où la femme ne prend pas son rôle à elle au sérieux. Parce que le mariage, comme nous avons déjà vu, est aussi une parabole. C'est dans l'intention de Dieu que les relations entre le mari et son épouse reflètent les relations qui existent entre l'Église et le Christ, et le Christ et l'Église. Alors, quel est le premier bienfait qui découle de la soumission? C'est la manifestation du Christ. Deuxième bienfait qui en découle, c'est la protection de la femme. La femme, que vous soyez d'accord ou non, la femme est plus vulnérable que l'homme.
Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est plus facilement blessée sur le plan de ses sentiments, physiquement et spirituellement. C'est pour cela que la parole de Dieu exige que nous protégions la veuve, mais jamais le veuf. C'est pour cela qu'une dame ne peut pas avoir autorité sur l'église locale. Elle est plus vulnérable. Et c'est pour cela que nous avons lu, lors de notre deuxième lecture, que la dame, que vous soyez d'accord ou non, est un être plus faible. Alors, là où la femme se soumet à son mari, là où le mari prend au sérieux ses responsabilités, ce qui n'est guère le cas, c'est lui qui reçoit les coups. Et c'est dans les intentions de Dieu que le mari reçoive les coups. Et elle en est protégée. Elle est protégée par sa soumission. Elle est protégée, bien sûr, parce que c'est le mari qui reçoit les coups. Les responsabilités, les fardeaux, les soucis, les préoccupations, les nuits blanches appartiennent au seul mari. Numéro 3. Quels sont les bienfaits qui découlent de la soumission? La manifestation du Christ, la protection de l'épouse, l'harmonie. Il est impossible qu'un corps ait deux têtes sans qu'il soit déformé. Il est impossible qu'un corps ait deux têtes, ce qui ne provoquerait qu'un conflit incessant et des difficultés perpétuelles. Là où on obéit aux principes que nous avons considérés ce matin, une telle tension inexorable n'existe pas. La parole de Dieu en grec n'utilise pas le mot « chef » pour le mari, mais le mot « tête ». C'est très intéressant. C'est lui la tête du couple. Alors, si on observe les principes dont nous avons parlé, c'est l'harmonie. Il n'y a qu'une seule tête, c'est la paix. Voulez-vous que la paix règne chez vous? Alors observez les commandements de Dieu et vous les trouverez bons et parfaits. Et le quatrième bienfait qui découle de la soumission après la manifestation du Christ, la protection de l'épouse, l'harmonie du foyer, c'est la puissance spirituelle. La soumission est quelque chose de si puissant qu'elle peut, à elle seule, gagner un mari inconverti. 1 Pierre 3, 1. Il vaut la peine de le répéter. Première lettre de Pierre 3, 1. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Alors, mesdames, si vous avez un mari inconverti, cessez de le sermonner. Cessez. Tout de suite, dit la parole de Dieu. Parce que par votre conduite, votre seule conduite pure et respectueuse, par votre seule soumission, vous pourrez gagner votre mari. Parce que la soumission est quelque chose d'une puissance extraordinaire. Parce que c'est une attitude qui est divinement bénie. Là où il y a soumission aussi, si on étudie le même passage, on trouve le sourire de Dieu, la sanctification du couple et la prière exaucée. Est-ce que vous priez en couple pour vos enfants? Alors vos prières seront exaucées selon ce passage, à condition que la femme se soumette au mari, à condition que le mari vive avec sa femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles, à condition qu'il l'honore comme co-héritière de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières.
Les femmes alors qui mettront en pratique l'enseignement de ce matin seront une source de bénédiction pour leur mari, pour leurs enfants, pour leur église et pour leur nation. Pour terminer, il y a lieu de dire que le mari n'a pas le droit de s'attendre à ce que son épouse lui soit soumise s'il ne met pas en pratique à son tour les commandements divins qui lui sont adressés, à lui. Thème que nous allons considérer, si Dieu le veut, dans 15 jours. Notre Dieu et notre Père, nous sommes venus ici ce matin pour t'adorer, mais nous souhaitons maintenant que notre vie t'adore. Oui, Seigneur, que nous puissions vivre à ta louange, à ta gloire. Aide-nous alors à respecter tes commandements, non seulement extérieurement, mais aide-nous à les aimer de tout notre être et à les mettre ainsi en pratique. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen.